Superscooter.ca vous présente son vélo, le Vélix. Le Vélix est notre dernier vélo pliable de nouvelle génération, rentré dernièrement chez Superscooter.ca. Le Vélix est le vélo pliable, un des vélos pliables les plus puissants du marché, et il est muni d'une pile 15 ampères, contrairement à 10 ampères pour tous les autres vélos de la compétition. Il a un moteur un vrai moteur de 350 watts, et c'est un vrai moteur de 350 watts. Et il a des freins à disque à l'avant, une lumière en avant. Il a une suspension hydraulique et non à ressort. C'est une suspension ajustable, alors si on veut ajuster la suspension, on n'a seulement qu'à tourner ce bouton-là pour la mettre plus ferme ou moins ferme. Le vélo est pliable ici, à la poignée. Si on monte un peu plus haut, on voit que ce sont tous des fils qui se déconnectent facilement, alors quick disconnect qu'on appelle, et qui sont résistants à l'eau. Alors si jamais une composante venait qu'à faire défaut, tout ce que vous avez à faire, c'est d'enlever, de débrancher le fil ici, et vous pouvez changer la pièce vous-même facilement, ou nous l'emmener au magasin, ça va nous faire plaisir, mais ça prend quelques, une ou deux minutes à changer une pièce, pas besoin d'outil spécial, pas de fil à couper. Le Vélix est muni de freins Tektro, les meilleurs freins de Shimano sur le marché, freins Tektro. Il est muni d'un dérailleur Acera, qui est le dérailleur haut de gamme de Shimano, avec un protecteur de dérailleur. On voit ici le moteur de 350 W. C'est un moteur 8-Fun. Ici, on a des pneus increvables, des très gros pneus. Et aussi, un point intéressant, c'est que sur les vélos électriques, souvent, c'est un cauchemar de faire une crevaison. Avec ce vélo-là, ben ici, vous avez un connecteur qui se débranche très facilement en tirant dessus. Et à ce moment-là, vous pouvez changer une crevaison comme sur n'importe quel vélo. Il n'y a pas de fil à couper, etc. Par contre, les pneus sont increvables, alors vous avez très peu de risque de faire de crevaison. On voit ici le protège dérailleur. Nous avons les pédales pliables. Alors, on voit ici les pédales pliables. La barre du vélo qui est très basse. Alors, les personnes de petite taille adorent ce vélo parce que c'est facile d'embarquer. On voit ici l'énorme batterie de 15 ampères lithium polymère de dernière génération qui donne au vélo une autonomie d'environ 100 km sur une seule charge. On voit ici la suspension zoom hydraulique, le pneu avant. Le pneu est muni d'une bande de roulement ici, alors malgré que le pneu est large, il offre peu de résistance à cause de sa bande de roulement au centre. C'est des ailes imbossables. La lumière avant. Les freins à disque en avant. Toujours de qualité Tektra. Ici, on a le mécanisme pour enlever la roue rapidement, si jamais on veut enlever la roue. Pour un embarquement plus facile, on a seulement qu'à tourner ce bouton-là et le démancher. Et ça fait à peu près le tour du vélo. Et je vais vous montrer comment le plier. Alors ici, on voit le dérailleur. Alors un dérailleur, pour changer les vitesses, c'est comme ça. Et comme ça, pour monter ou descendre les vitesses. On fait ça toujours en marche, évidemment. Sur la nouvelle poignée 2013, on a ici la nouvelle poignée. Alors c'est seulement un demi-accélérateur. Dans le sens qu'il y a cette partie-là seulement qui va faire avancer le vélo si on veut l'utiliser en mode sans pédaler. Alors, on peut activer ou désactiver la poignée ici. Ici, c'est une poignée ordinaire. On va vous montrer ce que ça donne dans la vraie vie. 1, 2, 3, go, on recommence. Alors, le vélo, comme tous les vélos électriques, ben, en tout cas, tous les vélos intelligents, peut être utilisé en mode scooter ou en mode normal. Alors, le vélo peut être utilisé en mode sans pédaler, comme tous les scooters, comme tous les vélos électriques de bonne qualité. Ici, avec un bouton, on peut désactiver la poignée, alors le vélo n'avancera pas par accident. Et évidemment, l'assistance en tournant les pédales, c'est là qu'on va ajouter notre assistance de 1 à 5, tel que je vous l'ai montré tantôt.
Alors, c'était le vélo Vélix de superscooter.ca. Et n'oubliez pas qu'on a une pile de 15 ampères, mesdames et messieurs. 100 km de tenue pour un vélo pliable, c'est fantastique.